Je suis devenue marraine parce que je pense que j'avais de l'aide à apporter aux jeunes diplômés qui ont eu comme moi des difficultés à intégrer un poste dans une société, en communication notamment. Donc c'était tout à fait normal pour moi de rendre service. Un parrainage, c'est très libre, hein, c'est comme on le sent. C'est une heure au téléphone par semaine, c'est une rencontre physique avec son filleul ou sa filleule, comme on le sent. Donc dans mon cas, au moins deux fois par mois. Et puis on déjeune ensemble, on rencontre des gens ensemble qui puissent aider la personne à sa recherche d'emploi. Que ça m'apporte d'accompagner Sandra dans sa recherche d'emploi, c'est vraiment un sentiment de satisfaction personnelle, de pouvoir l'aider, de partager avec elle et aussi de rencontrer pas mal de personnes grâce à notre effort commun. Ma première rencontre avec Vidi s'est passée très simplement. Je l'ai rencontrée dans son bureau. Elle m'a parlé un peu de sa carrière à elle. Moi, j'ai parlé un peu de mon background. Et puis on a essayé de réfléchir ensemble sur où est-ce que j'aurais pu aller avec ce que j'ai fait avant dans une société telle que la Société Générale. Ce parrainage m'apporte beaucoup de choses parce que c'est un vrai soutien. Quand on cherche du travail, on est très isolé. On n'a pas toujours de recul sur son CV, sur les défauts quand on se présente à un entretien. Et à ce niveau-là, elle m'aide énormément. Elle aide les personnes qui sont en difficulté à trouver du travail. Et je trouve que c'est très positif, et pour moi, et pour l'association, et aussi pour la Société Générale.